Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, mon top personnage féminin préféré dans les mangas. Alors, pourquoi cette vidéo? Bah tout simplement, il y a à peu près 9 mois de ça, Inès Scarlett, la copine youtubeuse, lien en description, a fait cette vidéo-là avec ce sujet. Et je me suis dit, waouh! Dans son top 10, j'ai 0 personnage en commun. Je me suis demandé pourquoi. Bah c'est normal, elle a 20 ans, j'en ai 40. Une génération d'écart, je pourrais être son papa. Et c'est normal, on n'a pas les mêmes références. Donc je me suis dit, et d'ailleurs je lui ai dit en commentaire, comme tu peux le voir ici, je lui ai dit, bon, Inès, ça va me chatouiller, je pense que je vais faire mon top. Comme ça, on va voir les différences. J'ai envie de te dire que je ne rangerai pas ces personnages-là non plus par ordre de préférence. Je vais te les présenter par ordre de parution. Donc je vais partir de 2020 pour le personnage le plus récent qui m'a marqué, et on va comme ça redescendre pour aller jusqu'en 1973. Ouais, donc si tu veux des vieux personnages, en termes d'édition, faudra aller à la fin de la vidéo. J'ai envie de te dire une dernière chose, merci beaucoup pour la réception de la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à y aller, qui est l'interview du patron de la Japan Expo. Voilà. On va y aller juste après le... Ah, j'entends derrière ceux qui disent « Oui, encore un top !» Ouais, ça va, hein. En 2 ans et demi de chaîne, c'est le deuxième top. J'ai le droit. J'ai le totem d'immunité. Allez, générique. Et on commence par le premier manga, et je vais te parler d'un manga qu'on a découvert au Japon en 2020. Un manga médiéval fantastique, sujet que j'aime beaucoup. Donc avec des nains, des elfes, et on va parler d'un personnage qui est une elfe, qui vit très longtemps, qui a une puissance bien plus grande que tous les gens qui l'entourent, et évidemment je te parle de Frieren. Alors pourquoi je te parle de temps et de puissance? Parce que c'est tout simplement des choses qui vont être clairement évoquées. Frieren est une jeune elfe, mais qui a déjà peut-être des centaines d'années. Au tout début, on ne te le dit pas. Et elle a surtout un rapport avec le temps qui est très différent. Et c'est intéressant parce que moi qui commence un petit peu à avoir un âge certain, je commence un petit peu à voir en tout petit ce qui est évoqué dans ce bouquin-là. C'est-à-dire que je vois avec parfois un peu de recul et de bienveillance ce qui se passe pour des gens qui sont plus jeunes. Frieren est un personnage qui est complet, qui est complexe. Au fur et à mesure, pour l'instant, il y a 9 tomes qui sont sortis, que j'ai lus. On va en apprendre de plus en plus, et tu vas te rendre compte que parfois, au début des premiers tomes, certaines choses qui vont te paraître désuètes, qui vont te paraître risibles, ridicules ou sans importance, et bien au contraire. Pour Frieren, ça a une importance. J'aime beaucoup sa philosophie de vie, encore une fois, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est toujours très intéressant de voir comment une même chose, une aventure, une rencontre, peut être vécue différemment de la part de quelqu'un qui vit 70-80 ans et de quelqu'un qui peut peut-être vivre 1000 ans. C'est migrantement bien fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu traité de cette manière-là dans le manga. On a pu le voir traité dans d'autres médiums, mais pas à ma connaissance dans le manga. C'est divinement bien fait, je trouve très intéressant le personnage qui n'est pas du tout, même parfois, mis en avant. C'est-à-dire que parfois, elle va créer... Au début, elle a un groupe, mais qu'on va volontairement zapper. C'est le principe du manga. Elle va se recréer un groupe un petit peu plus tard. On va avoir des séances parfois un peu plus shonen. Mais c'est très intéressant de voir le comportement du personnage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en vous, lecteur, vous aurez lu un peu plus et que vous aurez le recul nécessaire pour dire « Ah, elle a fait ça comme ça !» Alors qu'elle aurait pu facilement faire ci ou faire ça. Il y a toujours de très bonnes raisons. Un personnage qui est très bien écrit. J'aime beaucoup. On revient un petit peu en arrière avec le deuxième personnage, et on est en 2019. Encore une fois, toutes les dates que je donne sont les dates de sortie japonaise. On va parler de Tomoyo. Ça te parle, ça, ou pas? Ah. Alors, Tomoyo, on la voit dans un one-shot. Elle est le personnage principal de ce one-shot, mais le one-shot ne porte pas son nom. Le one-shot porte le nom de sa meilleure amie, qui est décédée. Et c'est une information qu'elle apprend dès le début. My Broken Mariko.
C'est Tomoyo sur la couverture. Je trouve ce personnage magnifique parce que réaliste. Cette jeune femme, on va vraiment sentir quand elle apprend la nouvelle de la mort de son ami. Par rapport au dessin, on va sentir cette fracture psychologique. On va sentir cette rage, on va sentir cette haine, on va sentir ce désespoir. Et au final, tu sens que c'est quelqu'un, on l'évoque brièvement, mais c'est pas montré, que c'est quelqu'un comme tout le monde. Mais qu'au final, cet événement va faire qu'elle va rentrer dans quelque chose de différent, qu'elle va se mettre en mode, il y a des choses plus qui dépassent ma vie et qui vont devoir être faites, des choses qui vont devoir être faites. C'est un road trip, c'est magnifique comme bouquin, et je suis très ému et touché par ce personnage qui, au final, va vivre des sentiments extrêmement forts, des sentiments qu'on sera normalement, malheureusement, tous amenés à connaître, ou qu'on a déjà tous vécu, qui est la perte d'un être cher. My Broken Mariko, Tomoyo est un personnage qui m'a vraiment marqué. Parce qu'elle va se battre pour un idéal. Et c'est un univers réaliste. Magnifique. Magnifique. J'adore. Et on revient en 2013 avec un personnage qu'on va suivre dans deux temporalités. Quand elle est enfant, à l'école, puis un petit peu plus tard en tant que jeune adulte. Évidemment, son histoire va aller de pair avec un jeune homme, un jeune garçon, qui, quand elle est enfant, l'a harcelée et qui va tenter de se racheter parce qu'il a compris, parce qu'il a réalisé ce qu'il a fait. Évidemment, ce personnage dont je vous parle, c'est Shoko dans A Silent Voice, un manga magnifique, et un personnage féminin qui m'a marqué parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est vraie, elle est réelle au final. Dans sa manière d'être, c'est-à-dire que Shoko représente énormément d'enfants qui subissent des brimades ou du harcèlement scolaire. Et c'est pas facile, il y a de la haine, de la frustration. Quand je dis de la haine, c'est peut-être un peu fort, parce qu'en vrai, c'est un personnage qui est tellement bien écrit que c'est la méchanceté qu'il y a autour d'elle qui est tellement marquante par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle représente. J'aime beaucoup, évidemment, aussi, quand on la suit un petit peu plus tard, qu'on voit qu'elle est devenue quelqu'un d'épanoui. C'est pour moi un message d'espoir qui est envoyé au fait que, oui, on peut vivre des choses marquantes, difficiles quand on est jeune, mais malgré tout, arriver à se construire. Et au final, est-ce qu'on est aujourd'hui ce qu'on a subi hier? J'aime énormément Silent Voice. Bravo à l'autrice. Et Shoko est un personnage magnifique. On retourne un tout petit peu en arrière en 2006 avec un personnage que j'apprécie particulièrement. Et je pense que j'apprécie ce personnage particulièrement parce que tout simplement, il me fait penser à ma propre grand-mère parce que nous allons partir sur une sacrée mamie. Une sacrée mamie. Rapidement le pitch pour que tu comprennes. On va suivre dans un Japon réaliste, des années 50, je crois, un jeune garçon qui va vivre chez sa grand-mère. Je te fais, c'est très très simple, on en a déjà parlé sur la chaîne. Sa grand-mère, elle est pauvre, elle habite à la campagne, mais qu'est-ce qu'il y a comme belle leçon de vie, comme du bon feeling, un bon mood. Au final, cette mamie, c'est du positif, mais c'est aussi du réaliste par rapport à la vie. J'ai retrouvé beaucoup d'ondes que j'aurais pu, moi, avoir avec ma grand-mère dans ce bouquin, où, en fait, tu vis des choses exceptionnelles et fantastiques, et tu ne t'en rends pas compte. Tu vis des grands moments de vie, mais t'es peut-être parfois un petit peu trop jeune pour t'en souvenir. Et c'est plusieurs années plus tard que tu t'en souviens. Cette grand-mère dans Une sacrée mamie, elle est magnifique, c'est la grand-mère qu'on aimerait tous avoir. Mais c'est pas une mamie gâteau non plus. C'est quelqu'un qui vit dans la difficulté, dans la pauvreté, mais qui, au final,
te fait bien comprendre que le plus important, ce n'est pas ce que tu possèdes, en tout cas en termes de biens physiques ou matériels. Le plus important, c'est ce que tu possèdes ici, dans le cœur. C'est peut-être là le cœur. Enfin bon, il est quelque part. T'as compris ? Vraiment. Vraiment une sacrée mamie. Moi, ça m'a retourné. Voilà. On repart en 1991. Et oui, il n'y aura pas de Naruto, pas de One Piece. Et j'ai même envie de te dire, pas de Dragon Ball dans Stop. Donc on est en 1991 au Japon. Je vais te parler d'un univers post-apocalyptique où l'héroïne principale, je trouvais divinement bien écrite. Parce qu'au fur et à mesure des 9 tomes que dure la série, on va la voir passer par tous les états. Et surtout, on va la voir évoluer. Je te parle évidemment de Yoko ou de Gally dans Gunm. J'adore ce manga. Donc, je vais te faire abstraction, si tu veux, de l'univers, que je trouve génial, pour te parler que de Gally. Un personnage qui, au départ, a perdu la mémoire, qui va se confronter à ce qu'on attend d'elle au tout début. Si tu as lu, tu vois de quoi je parle. Qui ne va pas se reconnaître là-dedans, qui va s'affirmer, qui va vivre des choses fortes, qui va dans le bon sens, avec la découverte de l'amour, et puis ensuite qui va découvrir la peine du deuil, c'est pas récurrent, mais voilà, et qui va se perdre, avoir des sentiments autodestructeurs, puis ensuite qui va se battre pour vivre, qui va se battre pour retrouver qui elle est, son passé. Je trouve que c'est un personnage qui a une évolution en 9 tomes qui est exceptionnelle. Qui, au final, va passer par beaucoup d'étapes de la vie. Il n'y a pas de top 1, mais t'as compris, quoi. Vraiment, Gally, dans Gunm, il n'y a pour moi pas de meilleur personnage. Il n'y en a pas de meilleur. C'est pas possible. Et puis l'univers, oh là là, il est encore au-dessus. Et vraiment au top. On revient juste à un an avant, on reste dans du post-apocalyptique, mais cette fois-ci, le personnage est un peu plus réaliste. On va parler de Sarah. Je regarde un petit peu ceux qui vont se dire « Ah, Mother Sarah ? Bah explique-nous !» Alors, j'aime beaucoup Sarah parce que dès le début du bouquin, on va t'expliquer qu'elle a été séparée de sa famille. Mother Sarah, c'est la quête d'une mère. La quête d'une mère en quête, bah, tout simplement, de savoir où est passé son mari et où sont passés ses enfants. Elle a été séparée d'eux lors d'un attentat. Elle sait pas où ils sont. Et ça va être le combat acharné, l'instinct maternel. Elle va s'adapter à l'univers, parce qu'au départ, Sarah, c'est pas une guerrière, c'est pas une badass, mais elle est obligée de le devenir pour avoir les réponses à ses questions et survivre. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'au fur et à mesure du manga, elle va avoir des réponses. Parfois des bonnes réponses, parfois des mauvaises réponses. Quand je dis des mauvaises, des réponses qui vont lui apporter quelque chose de bien, des réponses qui vont lui apporter quelque chose de mal. Ça l'impacte, mais elle continue. Et au final, je trouve qu'il y a beaucoup de leçons de vie là-dedans. C'est-à-dire que, au départ, son unique moteur pour avancer, ça va être un thème, un sujet bien spécifique. Mais à un moment, est-ce que ça sera toujours suffisant ? Imaginons, je ne dis pas que c'est le cas, imaginons qu'un de ses enfants soit mort. Est-ce qu'elle va s'arrêter ou non ? Un personnage que je trouve très bon, parce que très différent des stéréotypes qu'on peut avoir, un personnage plus mature, un personnage, j'ai envie de te dire, réaliste, dans une histoire. Et ça, je trouve ça très très bon. Sarah. Dans Mother Sarah. On continue avec un manga de 1987. C'est un shoujo. On va parler d'un personnage féminin que j'aime bien aussi. Parce qu'elle est très complexe. Elle est complexe parce qu'au départ, c'est une jeune fille. Bien sous tout rapport. Alors oui, elle est jolie. Elle est désirable. Oui, elle va avoir une relation avec un homme. Et tout ce qui va lui arriver derrière est la résultante de la jalousie, du désir et de la méchanceté. Et de là va naître Tomie, premier manga de Junji Ito, le maître de l'horreur,
un personnage que j'apprécie, mais surtout un personnage qui m'a marqué parce que au final tu te rends compte que si Tomie il n'y était pas arrivé toutes ces horreurs, le monstre qu'elle est devenue, au cas où tu ne connaîtrais pas, Tomie est un personnage un petit peu fantastique, qui va une jeune fille qui va séduire les hommes jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, je te résume simplement, ou rendre folle de jalousie les femmes, etc., etc. Au final, tu te dis que s'il n'y avait pas eu toute cette haine, cet acharnement qui ont amené au meurtre de cette pauvre jeune fille, ce drame, si ce drame n'avait pas été là au départ, il n'y aurait pas ce personnage horrible. Ça fait réfléchir, et au karma, ce genre de choses. Et ça te fait dire que oui, en effet, peut-être que Tomie, au final, n'est que la résultante de notre société. J'aime beaucoup l'idée. Et c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup marqué. On passe ensuite à un personnage qui m'a marqué quand j'étais jeune. Parce que je l'ai découvert dans le magazine Kamea. Un manga de Masamune Shirō. Un manga qui va parler d'intelligence artificielle, de clonage, de transhumanisme. Une femme forte dans un univers post-apo futuriste. Tu vas peut-être me dire Ghost in the Shell. Eh bien non, je te dis tout simplement Dunant Nuts dans le manga Apple Seed. Alors, souvent, on peut confondre, parce qu'au final, c'est du même auteur, l'histoire peut sembler un petit peu identique, mais les personnages, eux, ne le sont pas. J'ai vraiment été marqué par ce personnage. Je pense un petit peu comme certains collègues à moi, un petit peu plus vieux, ont pu être marqués par Ellen Ripley dans Alien, parce qu'au final, on a une femme forte, une femme guerrière, mais aussi une femme intelligente, tactique, stratège, qui n'a pas besoin d'hommes pour y arriver. En général, ce genre de rôle était fait pour des hommes. Là, tu as bien un acolyte, qui est Bria Eros, qui est avec elle. Tu te doutes qu'il y a quelque chose entre eux. Mais Bria Eros, c'est pas un beau gosse. C'est un homme de métal. Et au final, je trouve ça très très bien d'avoir presque échangé l'idée de Cobra. Où t'as d'un côté Cobra et Armanoid, son acolyte de métal. Là, c'est échangé. Dunant Nuts, pour moi, fait partie de ces premières femmes très fortes dans un univers futuriste que j'ai découvert. Alors que normalement, ce genre d'écriture et de personnage, à l'époque, en tout cas pour moi, on avait l'habitude clairement de trouver un homme. Et c'est une très 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 bonne chose. Et venu après un petit peu plus tard, Ghost in the Shell, qui est magnifique pépite. Mais je voulais te présenter Apple Seed, parce qu'Apple Seed, même si c'est deux bouquins qui sont un petit peu durs à lire, parce que c'est très dense, Apple Seed est plus accessible. Et on repart maintenant en 1982. Et quand j'ai fait cette liste, je me suis dit, ça m'embête quand même parce qu'il y a des Ghibli qui sont top. Mais Ghibli, ce sont des animés. Il n'y a pas de manga sur Ghibli. Non. Mais Monsieur Miyazaki... Enfin, quand tu parles Ghibli, tu penses Miyazaki. Mais il a fait un manga avant. Nausicaa et la Vallée du Vent, qui existe aussi en anime. Mais le manga est sorti avant. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu ne le connais pas, à le découvrir. Alors... Dans Nausicaa, la Vallée du Vent, je vais te parler de Nausicaa, tu vas avoir beaucoup de similitudes avec Princesse Mononoke. Je te le lis directement. Mais je trouve que Nausicaa est un personnage... C'est une jeune fille avec des responsabilités, mais qui va être aussi... avoir ce côté nature, qui va être aussi un petit peu là pour... les gens de son royaume, même si c'est un tout petit royaume. Un personnage extrêmement respectable, qui a la tête sur les épaules malgré son jeune âge, mais qui va aussi assumer le poids des responsabilités, mais également, presque, j'ai envie de dire, le poids des responsabilités de l'humanité. Il faut découvrir, absolument, de toute façon, Ghibli en général, Miyazaki en particulier. Et pour moi, ce manga, Nausicaa, la Vallée du Vent, est divinement
bien dessiné. Je te le lis parce que parfois, quand t'entends 1982, tu peux avoir peur. Touchant, émouvant. Si t'as peur de te fournir ça, va voir l'animé. Et si tu veux en voir plus, parce qu'il y a quand même plus de choses dans le manga, va ensuite sur le manga. Voilà. Et je pourrais parler de Ghibli pendant très longtemps. Je regarde là-haut parce que j'ai du Porco Rosso, tu vois. Voilà, trop bien. On part maintenant en 1973 avec le dernier personnage. Un personnage qui m'a clairement marqué. On est dans l'après-guerre, le Japon a perdu. Et c'est la campagne japonaise. Des endroits qui sont parfois très reculés, où la loi de certaines familles prévaut sur la loi tout court. Et malheureusement, pour cette petite fille, qui s'appelle Ayako, son seul tort aura été d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Son destin va être scellé, et sa vie va en être... impactée, un petit peu, puisqu'elle va se retrouver enfermée, murée, dans une cave, qu'elle ne puisse jamais parler. Un manga, j'allais dire horrible, mais extrêmement bon également. Pour moi, Ayako est... et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la voir évoluer au fur et à mesure des âges, parce qu'elle va grandir. C'est un personnage qui, pour moi, représente cette petite lueur que pourrait faire une bougie dans une pièce obscure. Et au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées dans ce manga, beaucoup de choses qui vont être mises en avant, et tu te rends compte que il y a énormément de choses qui ont changé pour la condition de la femme depuis cette époque-là, depuis 1973, mais au final, peut-être pas assez. Je ne dirais pas qu'Ayako est un de mes personnages féminins préférés, mais en tout cas, Ayako est un des personnages féminins qui m'a le plus marqué. Marqué parce que, un petit peu comme Tomie, tu te rends compte que juste être une femme, ça déclenche des choses qui sont parfois pas très très bien. Donc c'est une prise de conscience aussi. Très bon personnage, Ayako, très bien écrite. Et on espère qu'une seule chose, tout au long du manga, c'est qu'à la fin, elle s'en sorte vivante. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, c'était comme d'habitude un plaisir, n'hésite pas, hein. Allez voir les autres vidéos, à laisser un commentaire si tu le souhaites, un pouce, un abonnement, c'était Ed, nous on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao!